Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans les quintés du jour, mercredi 27 février 2024. Nous sommes à Marseille, l'hippodrome de Marseille. Réunion 1, course 2, 16 partants vont se disputer sur une distance de 2000 mètres. Avec comme allocation 53 000 euros. C'est le style plat. Voilà, quand on parle de Marseille, déjà, voilà le style plat. Nous avons déjà nos petits jetons où nous avons déjà écrit nos numéros. Premier jeton, c'est le base solide. Ici, nous avons les coups sûrs, top chance, les tocards. Et enfin, nous avons notre pronostic pour les quintés du jour. Si c'est votre première fois de nous entendre, je vous invite à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification, car dans cette chaîne, nous donnons non seulement des pronostics, aussi des astuces pour les quintés du jour. Donc c'est un peu ça. Coup de chapeau à tous ceux-là qui nous font confiance, à tous ceux-là qui sollicitent vraiment nos méthodes. À tous ceux-là qui sollicitent nos pronostics, coup de chapeau à vous. Merci à vous qui nous suivez depuis longtemps et ceux-là qui viennent de nous découvrir. En tout cas, nous vous disons bienvenue dans la chaîne Base Béton. Bien, sans pour autant tarder, nous allons directement faire d'abord petit critique sur la course du lundi 26 février 2024. L'arrivée est de 1, 8, 11, 10, 14. Comme base, nous vous avions donné deux numéros. Nous avions donné 10 et plutôt 1 et 10. Ils sont dans l'arrivée. Les 1 a fait la première place et 10 la quatrième place. Donc, c'est bien. Dans les top chances, nous retrouvons un numéro, c'est les 11. Les 11 est troisième. Et dans les surprises, nous avons voulu prendre les 12 et les 8, mais les 12 est tombé. On a les 8 en deuxième position. Dans notre sélection, nous avons 4 chevaux. Nous avons 4 chevaux. Il y a 1, il y a 10, il y a 11 et enfin le cheval 8. C'est un peu ça. Seulement les 14, le 5e nous a échappé, mais les 4 premiers sont dans notre sélection. Nos pronostics, nous, on ne les fait pas au hasard. C'est grâce à nos astuces que nous sommes en train d'utiliser. Pour le placer gagnant et simple placé, ça a vraiment tenu. Le 1 est là. Il a fait la première place. Il est le gagnant. Là, c'est coup de chapeau à nous, vraiment. Donc, c'est un peu ça. Ainsi que les jumelés, on a pris premier jumelé, on a mis 10, 1, et ça a raté ici. Mais deuxième jumelé, nous avons le 1 et 11. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont écrit, qui ont aussi proposé leur numéro. Merci, coup de chapeau à vous. Bien, nous passons maintenant au quintet du jour. Ici, quels sont les deux bases pour la course d'aujourd'hui, mardi 27 février 2024 à Marseille? Comme base solide, nous avons deux numéros. Quels sont ces deux numéros? Nous avons, voilà, les deux numéros de base. Nous avons le cheval 3 et 4. 3, 3 et 4 sont les deux chevaux qui constituent la base d'aujourd'hui.
Nos deux bases ici, rares, on retrouve les deux numéros tombés, mais le plus souvent, les deux sortent, comme le cas d'hier lundi, et parfois, c'est les 1. Donc, je vous conseille de prendre les deux numéros. Si vous doutez d'eux, vous les mettez même derrière. Donc, c'est un peu ça. Nous passons directement au coup sûr. Coup sûr, c'est un numéro qui répond à 100%, qui répond à tous les critères. Donc, il a vraiment la probabilité de se retrouver dans les quintés du jour. Quel est ce cheval-là? Bien. As, c'est le cheval 1. Voilà, il est là. C'est-à-dire, ce cheval ici, il a rempli à beaucoup de critères. Il a la chance vraiment de se retrouver dans les quintés. C'est pourquoi on a mis même là-bas 100%. C'est-à-dire, il a la chance et nous le confirmons que demain, il pourra faire le meilleur de lui-même. C'est un peu ça. Après ça, nous passons très rapidement directement à Top Chance. Quels sont les chevaux de Top Chance? Voilà les chevaux de Top Chance. Top Chance, nous avons les chevaux 6, 8, 10 et 7. 6, 8, 10 et 7 sont les chevaux, les 4 chevaux de Top Chance dans ces quintés. C'est un peu ça. Nous passons très rapidement au tocard maintenant. Les tocards, quels sont les chevaux tocards dans cette course? Voilà, nous avons 4, 12 et 14. 12 et 14 sont les chevaux des surprises, les gros tocards. Les dés ici, n'oubliez pas, prenez soit les 12, soit les 14, prenez un cheval parmi les dés. Vous pouvez peut-être trouver les deux, tous les deux dans les quintés. Alors, c'est un peu ça. Nous passons à notre pronostic pour les quintés. Et l'indice, avant d'être dépassé, je vous assure que selon notre méthode, l'indice de notre tendance ici est de 3 sur 5. 3 sur 5. 3 sur 5. Quel est le pronostic pour les quintés? Nous vous donnons ces numéros ici, où vous pouvez retrouver les quintés parmi ces numéros. Nous vous donnons 7, 4, 3, 8, As, 12, 10 et 6. Ce sont les numéros du quintet que nous vous proposons. C'est un peu ça. Faut pas vraiment négliger ces numéros, surtout les numéros de surprise qui sont là. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de numéros de surprise. Il y a les 12, il y a les 6, les 10 et parfois les 8 aussi. Vrai, et presque 4 numéros vraiment qu'on a mélangés dans cette course. Vous savez très bien, c'est une course de plat. Des fois, ça fait des gros rapports à cause des surprises. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de nous avoir suivis et bonne chance à tous. Et nous vous rappelons que notre e-book est toujours disponible. Nos méthodes sont disponibles. Veuillez nous écrire au numéro WhatsApp. Indiqué dans la description de cette vidéo et on va vous servir sans doute. Merci, bye et à la prochaine.